Du livre du prophète Isaïe. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ? Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Chers amis de Catoglade, dimanche dernier, nous était proposée la sagesse, plus estimable que le pouvoir et l'argent.
Et ce dimanche, la parole de Dieu nous invite à rechercher la sagesse supérieure à toutes, celle de la croix. Pour parvenir à cette sagesse, il faut suivre en bon disciple le Christ, le serviteur souffrant, qui prend la route de Jérusalem pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Nous lisons quelques lignes plus haut. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres, aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux nations païennes qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. C'est dans ce contexte que les disciples, Jacques et Jean, demandent de siéger l'un à droite et l'autre à la gauche du Seigneur, dans sa gloire. Nous voyons bien combien ils sont loin d'imaginer ce que cela signifie de suivre un maître qui est en fait le serviteur souffrant que nous décrit la première lecture d'Isaïe. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. Sans doute Jacques et Jean ont compris que Jésus allait ressusciter, et ils s'imaginent Jésus dans la gloire dans les cieux. Mais ils n'ont pas compris par quel chemin Jésus allait rentrer dans cette gloire. C'est pourquoi Jésus leur parle de boire à sa coupe et d'être baptisé de son baptême, c'est-à-dire de participer à sa souffrance et à sa mort pour aussi avoir part à sa gloire. Nous sommes comme ses disciples. Nous voulons parfois manger les fruits de la terre, mais nous refusons la lourde tâche de la cultiver. La gloire ne s'obtient qu'en prenant la route du vrai disciple, suivre jusqu'au bout le maître, mettre ses pas dans ses pas pour aimer comme lui. Et nous savons que l'amour de Jésus ne consiste pas en de bonnes paroles, mais des actes. Il livre sa vie. Voilà en quoi consiste son service à l'humanité, porter les péchés des hommes pour les délivrer de la mort éternelle. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. Celui qui veut sa gloire doit donc imiter aussi son amour, parce que la gloire du Christ est son amour extrême pour tous les hommes. Jésus nous montre ce qu'aimer veut dire. Quand nous aimons, nous, habituellement nous aimons ce qui est aimable, ce qui s'accorde à notre goût, à nos valeurs. Jésus, lui, aime ceux qui sont contraires à lui, les pécheurs. C'est son amour qui les change et les convertit. Il invite donc ses disciples à emprunter sa voie, que celui qui veut être grand soit le serviteur de tous. Non pas dans le sens de devoir s'écraser devant les puissants, mais d'être exigeant dans la vérité et la justice. Nous comprenons bien pourquoi Jésus est mort. Il est mort non pas parce qu'il se tait devant les riches et les puissants, devant les scribes, les pharisiens et les docteurs de la loi, mais pour avoir dénoncé leur injustice et leurs péchés. C'est ce qui a amené à sa condamnation et à être livré à Pilate. La fraternité et l'amour vrai exigent le service de la vérité et de la justice. Prendre ce chemin en notre monde nous attirera certainement le mépris de ceux qui aiment le pouvoir et l'argent. Mais ceux qui cherchent Dieu vont pouvoir nous reconnaître comme les disciples de Jésus et venir auprès de nous pour eux aussi trouver ce maître doux et humble de cœur, et pour être sauvés par lui. Pour aimer comme Jésus, pour le suivre, Jésus nous le dit, « Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. »
il ne s'agit pas d'aller guerroyer avec le monde entier, mais seulement à notre niveau, dans le travail, dans la famille ou dans les relations d'amitié, avoir l'audace de la vérité, de la justice. Avec beaucoup d'humilité, mais de fermeté, en priant intérieurement pour les personnes qui nous écoutent. Car n'oublions pas que le Seigneur, en dénonçant le péché, aime les pécheurs. Nous, quand nous dénonçons le péché, quand nous dénonçons le mal, parfois il faut reconnaître que nous désirons montrer notre sagesse supérieure aux autres. La sagesse de la croix, elle consent à s'abaisser, à souffrir de la part des persécuteurs, non pas pour les vaincre, mais pour les sauver. Rien à voir donc avec la vanité de nos querelles de mots. Alors, puisque la sagesse est un don du Saint-Esprit, demandons-la à l'Esprit-Saint. Demandons-la pour l'Église, demandons-la pour les prêtres, les évêques, et pour tous ceux qui ont quelques charges, quelques responsabilités dans l'Église ou dans le monde. Seigneur Esprit-Saint, donne-nous le courage de suivre le chemin d'un amour vrai et exigeant, qui n'évacue ni la vérité ni la justice. Mais pour cela, acceptez de ne pas plaire à tout le monde, mais surtout de se savoir aimé du Père, et de ne pas tant chercher à être reconnu et admiré, mais à donner notre vie pour des œuvres justes et bonnes, pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut des hommes. Amen. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.